On est actuellement le 18 avril 2023 et ce soir se passe un événement incroyable, c'est le concert de Macklemore à Paris. Alors peut-être que vous avez arrêté d'écouter en 2012 comme à peu près tout le monde, mais du coup moi, à cette période, je suis devenue fan. J'ai commencé à écouter ses sons, album après album, et aujourd'hui on se retrouve ici pour ce nouvel album, cette nouvelle tournée, et... Oh, je suis trop contente de pouvoir y assister, de pouvoir aller voir ça de mes propres yeux. Et je suis très très contente de pouvoir vous emmener avec moi pour partager ce moment de ouf. Mais avant, j'ai prévu de vous raconter un petit peu son histoire, son parcours, pour vous remettre un peu dans le contexte. Et en même temps, je vais en profiter pour me coiffer et me préparer, comme ça, on sera nickel, une pierre deux coups, c'est perfect. Et je vais faire une vidéo dont on se souviendra et dont je me souviendrai toute ma vie. Elle est contente, votre pote. Déjà, on va brancher le boucleur. Pendant que ça chauffe, je vais vous présenter un peu le personnage. Macklemore s'appelle en réalité Ben Benjamin Haggerty. Il a 39 ans et il a commencé la musique dès son adolescence, en fait, vers ses 17 ans. Au début, il s'appelait Professeur Macklemore, mais en fait, il a changé son nom après pour juste Macklemore. Je crois que c'était juste un délire entre potes, un truc comme ça, et du coup, Macklemore, ça passait un peu plus. Il a sorti son premier album en 2005 qui s'appelle Language of My World. Sorry pour mon anglais. Et là, déjà, il a commencé à s'affirmer un peu avec son style hip-hop. Depuis cette période, du coup, il s'est lancé en indépendant et il est toujours aujourd'hui indépendant, donc ça c'est très stylé. C'est une de ses particularités, le fait qu'il soit en indé. Moi j'écoutais pas encore à cette époque là parce que j'avais 5 piges, donc quand l'album est sorti j'avais absolument aucune connaissance du truc. Mais plus tard j'ai commencé forcément à écouter cet album là, et le son que je préfère de cet album, je pense que c'est White Privilege. C'est celle qui ressort le plus pour moi et qui a déjà un goût d'engagé, vous voyez ce que je veux dire. Where's my place in the music that's been taken by my race? Cultural appropriated by the white face. And we don't want to admit that this is existence. Still scared to acknowledge the benefits of our white privilege. Putain. Un peu trop bouclé ce bordel. On va essayer de se débrouiller. Bon, vous vous en doutez, j'imagine, mais le moment où j'ai commencé à écouter un peu comme tout le monde, c'est au moment de la sortie de Thrift Shop et Ken Oldust dans son album The Heist. Osez me regarder dans les yeux et me dire que vous mettez pas ces sons à chacune de vos soirées, je le sais! Pour moi, même quand j'aurai 80 piges, à toutes mes soirées, je mettrai Ken Oldust et Thrift Shop. Pour ceux qui habiteraient dans une cave ou je ne sais quoi, je vous remets les sons, mais je suis sûre que même l'air ou même l'instrumental vous dit quelque chose, c'est obligé. Tell me nothing, we give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Alors, vous connaissez? Je suis sûre que oui. À ce moment-là, on est en 2012. Et cet album, au final, il a fait un carton, mais partout dans le monde. Ils ont remporté 4 Grammy et le titre du meilleur album de cette année-là. C'est vraiment cet album-là qui les a propulsés. Du coup, Macklemore et Ryan Lewis, ils sont tous les deux associés pour ce projet-là. Et d'ailleurs, ils ont continué après à faire des sons ensemble parce que ça marchait tellement bien. En dehors de ces sons-là qui sont méga connus, il y en a d'autres que je vais vous faire écouter. Il y a peut-être Same Love que vous avez sûrement entendu. Et après, mes deux autres préférés, c'est Wings et White. When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clam for those crow wings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the crown. Old school like old English in that brown paper bag. I'm rolling in that same whip that my granddad had. Hello, haters, damn, y'all mad. 30K on the caddy, now how backpack rap is that? De l'eau a coulé sous les ponts puisqu'on est 4 ans plus tard et Macklemore
et Ryan Levy sortent leur deuxième album. Cet album s'appelle This Unruly Mess I've Made, et là on en attend beaucoup beaucoup. Forcément The Haste c'est un banger, alors là du coup on s'attend à ce que ce soit au même step, et les amis je peux vous dire que c'est une totale réussite. La plupart des sons sont en fait pas mal engagés, que ce soit politiquement ou socialement, et c'est ça qui les démarque. Le truc c'est que je crois que cet album il a plus percé aux États-Unis que chez nous, parce que la plupart de mes potes en fait ils ont pas suivi la sortie de cet album là, et moi j'attendais ça mais genre de pied ferme quoi, vous voyez. Pourtant je peux vous dire qu'il y a des bangers dans cet album, c'est un truc de dingue. Je vais essayer de vous mettre les sons que je préfère, mais en vrai je les aime tous, alors ça va être trop dur de choisir, mais je vais vous mettre ceux qu'il faut entendre absolument, on va dire. They say girls shouldn't be tough and mom should raise the kids at home, but baby I know that that isn't true, cause your mom is the toughest person I know. I wanna raise you to be like her and watch you show the world how to do it on your own. I'm still trying to figure out who I am. I don't wanna mess this up or do this wrong. These relationships need maintenance. Everybody got expectations. Text back so impatient. Where were you when I was in impatient? Woo! Motherfucker, you ain't my accountant. You don't know what I'm doing. Woo! Focusing on what I'm giving back. Man, make better music. Fuck. But when you're drunk at the wedding, still don't fuck. See me in a club. Red bitch, that's my cousin. Angelina, show me love. Red bitch, that's my cousin. You got me fucked up. Red bitch, that's my cousin. Like you don't know, sir. Bradley, he's Cuzzo. Bon, du coup, entre temps, votre pote il a sorti sa marque de vêtements. Listen to me now. Et il reste engagé dans pas mal de causes, que ce soit dans ses musiques ou même en dehors. Et comment je fais moi pour voir derrière ma tête? Hop, round 2. Pour vous donner un exemple concret, dernièrement il a investi dans une entreprise qui s'appelle Green Cause. N'importe quoi. Qui s'appelle Clean Cause. Green Cause. Ouais, ce serait cool aussi hein. Mais du coup, cette entreprise, elle soutient les toxicomanes dans leur processus de guérison. Macklemore a eu des problèmes de dépendance. Il en a beaucoup souffert et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut aider ceux pour qui c'est encore le cas, en fait. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je le suis autant. C'est pas juste un artiste qui sort des sons. C'est sa personnalité, son art, les valeurs qu'il essaye de retranscrire à travers ses musiques. Tout le package complet, ça fait que c'est l'un de mes artistes préférés. Seulement un an après leur deuxième album, en 2017, Macklemore décide de se lancer en solo. Je sais que vous allez me le demander, là je vous vois venir avec vos grands sabots, mais non, ils ne se sont pas séparés parce qu'ils ne s'entendaient plus, parce qu'ils se sont embrouillés ou je ne sais quoi, mais bien parce qu'en fait ils avaient chacun des envies créatives différentes et donc ils ont chacun suivi leur chemin en bons amis. Plutôt cool comme fin en vrai. C'est peut-être même pas une fin, ça se trouve ils vont se retrouver plus tard, qui sait. Ce nouvel album s'appelle donc Gemini et... on y est, c'est mon album préféré de Macklemore. Alors sur l'album d'avant, je vous disais que ça allait être difficile de choisir des sons, mais alors là, je les écoute tous quoi, il n'y en a pas un plus que l'autre que j'aime mieux, parce qu'en fait, c'est tous mes bébés. Mais peut-être s'il faut choisir une façon de vous sélectionner des sons, déjà, je vous conseille vivement d'aller regarder, d'aller écouter plutôt, mais les clips sont cool aussi. Mais je vais peut-être plus vous présenter les sons qui bougent plus, comme ça, ça sera plus facile de faire un choix. On life is a piece of mind, seeking a find. I can sleep when I die, want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight, I'm on my way, I'm on my way, get out my way, I'm running late, what can I say? Gonna tell you about our future, we was on the corner posting, wasn't thinking about tomorrow, on the rooftop smoking, switch your guts in the Funyun bag, I was just doing my thing, hit the hot food aisle, got gizzards instead of the wings, I'm a motherfucking icon. Passe, 2018, 2019, 2020 Covid, 2021... Là, on commence à se dire, c'est fini, la carrière, elle est terminée. Et non, les amis, ce n'est pas fini. En 2022, Macklemore fait son grand retour en solo une fois encore. J'attendais tellement ce moment, vous imaginez même pas. Et quand j'ai vu la sortie de l'album, quand j'ai vu la sortie de sa tournée, j'ai explosé les potes, j'ai explosé.
one hair ringer. Now I got too many rings and not enough fingers. Keep doing my thing, they keep chasing the way. Là, c'est bon, là. Là, je peux y aller, c'est bon, je suis grande, je peux y aller toute seule. Cet album-là, il est un peu différent des autres et je l'adore tout autant. En fait, il retrace un peu son histoire, j'ai l'impression, jusqu'ici. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, il est devenu papa de 3 enfants, il a dû relever de nouveaux défis, il a changé, il a évolué. Forcément, quand t'écris de la musique, tout ça, ça se ressent. Du coup aussi, t'as un côté un peu plus émotif, et moi qui suis hypersensible, mais c'est sûr à 3000% que je vais chialer du début jusqu'à la fin. Par exemple, il y a une de ses musiques, No Bad Days, qui a été... toute la direction artistique a été gérée par sa fille, Sloane. Je sais pas, elle doit avoir genre 8 ans, un truc comme ça. I'm a little bit nervous asking this, if I'm being honest. We know how the other day you were doing the Bogey Boys, like, producing. You knew exactly what you wanted. I was so impressed with your work ethic, with your eye. I love her visual aesthetic. I absolutely love her style. I've been trying to think of a music video for No Bad Days. Yeah. Crazy idea. If you don't like it, we don't have to do it. No Bad Days, music video, I need a director. And I was thinking, what if you directed the music video? Rainy days don't seem so wet. Is that a yes? That's a yes. That's a yes? That's a yes? That's a yes? That's a yes. No Bad Days? Yes! Music video? Yes! We're doing it? Yes! You Let's go. Bah quand j'ai vu le clip, j'ai chialé. Il reste plus que ça à boucler, c'est good. Et ouais, en écoutant ça, en y participant, j'ai l'impression de faire partie d'un gros truc un peu. Et en fait, en règle générale, j'ai écouté tout l'album, j'aime tout l'album, j'écoute toutes les musiques, il n'y en a pas une que je suis en mode « Oh, celle-là, je l'écouterai un peu moins ». C'est plutôt pratique quand je pars faire des grands voyages parce que j'enregistre tout l'album, j'écoute tout et je vois pas le temps passer. Donc voilà, je vous ai retracé un peu grossièrement les grandes phases musicales de sa vie, on va dire, puisque je vais pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle, c'est pas trop le sujet. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie un peu d'aller écouter ses sons, parce que il y en a beaucoup à rattraper si vous vous êtes arrêté à Kendall 2 et Thrift Shop, hein. Pour ce soir, en vrai, j'ai essayé de pas trop me faire spoil avec les autres dates de sa tournée, parce que ça a commencé le 3 avril, donc il est passé par plusieurs endroits en Europe, Dublin, Manchester, Liverpool, Londres, Bruxelles, Amsterdam. Donc pas de spoil, on verra bien ce qu'il va chanter. Just rap rehearsal, tomorrow we fly to Dublin. 6 weeks of tour in Europe, and you know... that it's a special treat to walk the cobblestone street. Let's go! Et bah écoutez, on est tout bon, je crois qu'il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est vous emmener avec moi. J'ai hâte! They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long, and you've seen magic, and you know it won't kill you, even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent, they can't take my stripes, they can't erase my hours. I'm from the underground, anything above ground is a mountain. I'm done trying to impress anybody but the heavens where I'm headed. You don't get to hold on to your flowers. I am in my zone, eyes on the throne. 20K deep, better pull out your phones. Turning the arena to believers every time I hit the ceiling. Ain't nobody ever touching my show. Look at where we started, look at where we got to. Almost OD that night in the hospital. Wasn't gonna die, more life in the arsenal. Got another shot to pull off There's the impossible. No need to cry for me, I'm a fighter. Fighter, you can't take my voice from me. I will rise up, rise up. So what are you waiting? Too bad.
got bitches in the bag of good weed. Need an 80-inch screen, that's a big TV. I need Addies to stay up, I need Xannies to get sleep. God, give me drugs, all the lean that I can drink. All my haters suck a dick, rest in peace. And to all the opposition, you can come and get me. When I finally do some good, I need everyone to see. But please, I need you to pray for me. I got everything, and I still ain't happy. I got everything I need, so why am I falling to my knees? I got racks on me, money ain't a thing. All I really want is to be free. Look at me, I got everything I need. So why am I falling to my knees? I got racks on me, money ain't a thing. All I really want is to be free. Look at me, look at me. I wanna be seen, I wanna be loved. So many drugs I lost who I was. Every person I met on my circle is secretly looking and out for blood. Got 40,000 tests under my mattress, and a ration in case anyone will figure out the address. Security system in my attic, staring at it, still flexing on the gram just to show them that I have it. The fucking price of fame ain't ever going backwards. But none of this is working. Where's the purpose in this palace? Pop a perk, 30 girls twerking, just another purchase. Spiritually sick, I didn't even know I was malnourished. Forehead, they can't see how stressed I am. Everything I ever wanted, the Trinity, money, power, respect, in the end, were the three things that led me to death. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. I don't know about this room, why the fans, why you guys are so amazing, but it's always felt like fucking family, and you guys are the reasons why. My name is Ben. This is the Ben World Tour. Thank you for listening to the new album. Thank you for singing along. Thank you for being you. I fucking love you guys. Good night. Voilà, je suis trop contente. C'était vraiment trop, trop, trop bien. Je peux même pas vous décrire comment c'était incroyable. Vraiment, j'ai vécu un moment de ouf.
En vrai, ça fait quelque chose de voir ça en vrai parce que j'écoute ça depuis tellement longtemps, j'ai limite grandi avec, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, pendant le concert, il y avait une énergie de ouf parce qu'il y avait tout le monde qui était là pour écouter cette musique et pour kiffer ensemble alors qu'on se connaît pas. Un concert quoi, mais là c'était Macklemore, vous voyez. Petite différence quand même. Et puis voilà, quand on regarde un peu des interviews, quand on regarde ses clips, quand on le suit un peu comme ça, on se rend compte qu'il a une énergie de dingue, mais sur scène, c'est un truc de ouf. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez ressenti le truc et que vous avez kiffé avec moi. Et la prochaine fois, si éventuellement il ressortait un prochain album dans un futur proche et qu'il refaisait une tournée, et bien sûr qu'il venait en France, alors là, je peux vous dire qu'on se retrouve, on réserve toute une partie de la salle, et on fout le bordel. Et je vous préparerai moi-même la playlist, vous inquiétez pas. Enfin voilà, je suis juste trop contente d'avoir pu assister à ça, c'était incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Bon, on essaiera de cacher, hein. Oh, celle-là, elle est trop stylée.